Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur round 3 du groupe B de ce tournoi à 16 joueurs organisé par Galvia sur le jeu Wargame Red Dragon. Et aujourd'hui, nous attaquons le deuxième match de ce round 3 du groupe B avec 66 versus Crotou, avec en bleu, Crotou en rouge. Avec 66, son deck France blindé, donc commandant blindé et P4 PC en commandant, beaucoup de commandants. Des phobes, des VRA en logistique, pas de puma de logistique. A voir ce que ça va donner. Au niveau, vu que c'est un deck blindé, il n'aura que des troupes dans les transporteurs blindés. Il a opté pour des chasseurs, donc déjà, premier choix qui me paraissent bête. Enfin, qui me paraissent bête. Qui, moi, me choque. Il y a la possibilité. Pour 5 points, c'est concrètement, vous achetez une unité à 25 points. Vous faites un groupe de 4 unités, c'est 100 points. Vous faites un autre groupe, vous en aurez autant de disponibilité qui vous coûte 5 points de plus, donc ça coûte que 120 points. Qui est bien meilleur. Notamment avec un bouscat bien plus puissant. Et en combat d'infanterie, bon, c'est vrai que corps à corps, la mitraillette est légèrement au-dessus. Mais la précision gagnée n'est pas négligeable. Je pense que c'est un problème. Moi, j'ai le problème, c'est que bazooka sur lequel vous allez devoir compter avec des chasseurs, quand on peut avoir des chasseurs 85, est limité. 455 mètres, 14 anti-chars. Vous comptez pas sur son bazooka, vous comptez que sur une unité anti-char spécialisée. Bon. Il y a quand même un scout de chasseur 85. J'en aurais mis deux. J'en aurais mis deux pour un à la rigueur, mais pas. Pas qu'un. Bon, après, c'est un choix personnel. ATGM, F3, Mistral. Chacun voit l'optique du jeu à sa manière. Moi, je vois cette optique-là qu'il faut des bonnes unités quand c'est possible. Donc, à voir. Au niveau du support, nous avons uniquement 5 rangs en 3, ce qui est très léger. Contre des personnes qui pourraient avoir pas mal d'hélicos, ça pourrait être un problème. Mais sinon, beaucoup d'artillerie, de la MX-13 de 105 mm. Nous avons deux lance-roquettes multiples également. Friedland 10. Au niveau des tanks, bon, vu que c'est un deck français mécanisé, nous aurons tous les tanks. Hein. Du Leclerc, le char pour qu'il peut avoir, du Brennus, de la MX-10RC, de la MX-30, de la MX-30B, la MX-32. AMX-40 et AMX-30B2, bon. Globalement, les chars français n'ont pas beaucoup de blindage, ils ont un canon plutôt efficace. Et en plus d'avoir un canon efficace, ils ont des autocanons, globalement, la majorité de leurs chars sur véhicule, ce qui est très efficace, notamment contre les hélicos. Hein. Au niveau des reconnaissances, des commandants para et des hussards, je sais pas ce que ça va donner, donc pourquoi pas. Les hussards, l'avantage c'est qu'ils sont moins chers que les commandos para, donc et vous en avez plus, donc à voir ce que ça donne. Et au niveau après, des commandants, des reconnaissances aéroportées et des reconnaissances au soc blindés, bon, ouais. Pourquoi pas, à voir ce que ça donne. Il y a un peu tout, mais globalement, ces unités à bas prix, avec une vision assez faible, excepté la gouette et les commandos et les infanteries de reconnaissance, sinon c'est des optiques bon, ce qui est quand même assez léger. En véhicule que des MX Hot, d'accord. Et en hélico, nous avons des gazelles Hot. Des Casiopées, des Gazelles Hot 2, des Gazelles Hot. On peint des hélico, anti-véhicule et du Casiopée, c'est du classique. Et enfin, en aviation, nous avons du Rafale C F1, un chasseur sur un CRN et un super étendard en véhicule anti-tank. Le gros problème qu'a ce deck, et ça je le dis, ça se voit tout de suite, il manque d'unités anti-infanterie et anti-véhicule léger. Il y a uniquement anti. Un bombardier aurait été mieux qu'un super étendard sur ce coup. Vu le nombre d'unités anti-char qu'il a, c'est pas utile. Rajouter un super étendard, c'est trop, quoi. Quant à Crotou qui va prendre son deck rouge,
tout. Où est ton deck? Un deck URSS, ça ne surprend pas. Au niveau des commandants, deux slots de commandants blindés, des ourals et du fob. Ça reste du classique, excepté qu'à remplacer un hélico de ravitaillement par des ourals. Ce qui se défend. Au niveau du sol, nous avons des motostrelki pour la ligne de front. Ouais, après, en fait, ce truc qui peut défendre pour qu'on prenne une variante inférieure, c'est le coup. Uniquement. Vu que ça coûte 5 points de moins, donc je pense que c'est pour ça, mais bon, je préfère encore une fois, j'aurais préféré prendre des motostrelki de 90. Et prendre des motostrelki standard. Mais bon, c'est un choix qui se respecte, faut respecter le choix de tous les joueurs. Nous avons des Mozorskaya 80 et 80, enfin, Mozorskaya Pekochna standard et du 90 en troupe de choc. Mais des V90 en troupe aéroportée KM8 TV avec beaucoup de roquettes pour les soutenir et du concours M en anti-char lourd. Au niveau du support, nous avons deux artilleries lourdes avec du MSTA et du mortier léger avec une Donna. Nous avons la Tungusta en soutien lourd anti-aérien. Sinon, nous avons en médium du Birusa et en très léger du Ural ZU-23. Au niveau des tanks, nous avons des tanks très lourds avec T-72 BU et T-64 BV. À faire attention, des tanks ultra lourds. Les Français ne peuvent aligner que des Leclerc en tant que très lourds. De plus, Crotou a fait le choix de prendre son slot de T-72 BU en vétéran et non pas en entraîné, pour n'en avoir qu'un seul mais ultra puissant. Beaucoup de T-64 BM, avec un badge encore assez élevé qui peut vraiment faire face aux Leclerc et à tous les autres chars français. Enfin, un T-72A, qui malgré un autre char que de 14, pourrait facilement pénétrer tous les chars adverses, excepté une fois les trois Leclerc éliminés. Au niveau des reconnaissances, nous avons un peu tout en reconnaissance. Des reconnaissances très légères avec le BRDM2, avec des pauvres optiques. Des BRDM3 avec des optiques encore que bon. Par contre, nous avons des hélicoptères de reconnaissance MI2 très bons à 40 points, ce qui est très raisonnable. De l'infanterie de reconnaissance très bon à 20 points avec le transporteur. Et enfin, des troupes d'élite de reconnaissance avec un sniper. Dans leur BTR-80A. Avec de très bonnes optiques également. En véhicule, nous avons des S-122, du Chalot et du Charm, donc du grand classique comme d'habitude. Au niveau des icônes, uniquement un slot de Mi-24 VP, probablement pour profiter de ces roquettes, ce grand nombre de roquettes et de missiles anti-char. Pour un choix un peu plus orienté uniquement anti-char et un peu anti-aérien, la Kuga est préférable, mais le soutien qu'apporte la Mi-24 VP au sol est très agréable. Enfin, en avion, nous avons du Sukhoi 24M et du Sukhoi 24, donc un avion anti-radar et un avion. Vu qu'il y a un avion anti-radar, d'ailleurs, je vais regarder un truc. Oh non, pas grave. C'est si Alex a beaucoup de d'essais à radar, ça pourrait être un problème. Donc, exercice Crotus bis. Alors, j'explique pourquoi bis. Ils ont déjà fait une fois le match. Simplement, ils s'étaient trompés sur une règle à 500 points. 500 points de conquête au lieu de 750. Donc, ils ont refait le match. Et le résultat était le même. Donc, je rappelle les règles pour ce troisième round. Jungle low, 1500 points de déploiement. Income low. 40 minutes, 750 points en conquête. Et non pas 500 points. Nous avons Alex au nord, nous avons Crotou au sud. Je pense que Crotou va rentrer dans le glaire d'Alex. Vous dites probablement, peut-être parce que je soutiens les membres de la LVA, etc. C'est même pas ça, c'est une histoire que actuellement, par rapport au niveau de jeu que j'ai vu entre les deux joueurs, dans les matchs précédents, je pense que Crotou est au-dessus. Voilà. Après, voilà, c'est une constatation. On a déjà vu deux replays pour chaque joueur, ça te permet de savoir pour leur niveau. 3 à or. Nous avons 3 corps d'armée au nord. Peut-être 4. Le corps de gauche avec le FOB qui est totalement excentré, ce que je ne comprends pas pourquoi il a mis le FOB là. Le FOB là, j'aurais plutôt mis ici vers. Plus le FOB est vers la ligne de front, moins les durées de ravitaillement. Enfin, plus le temps de ravitaillement est court. Donc, j'aurais plutôt mis sur la ligne de front. Se regroupe de gauche, AMX-13, 90, AMX-30, AMX-10, RC, AMX-HOT, AMX uniquement une reco, la Gouette. Vraiment,
Plein de véhicules pour un côté gauche, pourquoi pas. Nous avons... Ah d'accord, nous avons quatre corps d'armée, j'ai l'impression. Le corps qui va aller sur la petite colline ici. Alors, tank, infanterie. Quelques infanteries, reconnaissance, ATGM, reco. Un commandant pour garder le secteur. Ici pour aller au milieu, Mistral, reco et Milan F3 qui vont aller ici. Et le commandant qui va prendre Juliette. Trois commandants dès le départ. Un commandant pour qui est ici. Alouette en reconnaissance. Une troupe de reconnaissance ici. Et pour ressentir MX32, MX30B, AMX-XP. Donc chasseur dans les AMX-XP. Pour prendre Golf, j'ai pas l'impression qu'il y ait des troupes qui sont prévues pour Nike. En face, pour Crotou, deux troupes MUTV pour prendre Echo, donc DVDV. Merde M2, BTR, Chalo, Birusa, BTR 110, probablement pour renforcer Echo. Et DVDV, T-64B, MTVTR. Ces troupes-là sont probablement pour prendre Charlie ou pour prendre place ici. Dans ce bois-là, ça me surprendrait pas qu'ils essaient de prendre position ici. MI8TV, MI8, oui, VDV qui vont sûrement aller ici, ou voir là, même ici, dans ce petit bois-là, entre Mike et Ekov, ça peut être utile de le prendre. Ensuite, nous avons deux reconnaissances, un tank, un ATGM et une DCA qui vont aller sur la crête de gauche, je pense. Enfin, de l'autre côté, c'est que groupe d'infanterie, infanterie, quelques véhicules légers. Ça, c'est le groupe qui va aller dans la ville. Avantage Crotou pour la prise de ville vu le nombre d'infanterie qu'il a. Avantage actuellement au niveau des tanks Alex vu le nombre de tanks qu'il a. Donc combat de plaine pour Alex, combat de ville pour Crotou. Crotou qui prend déjà. D'accord. Crotou qui va quasiment carrément là-bas. Alex qui. Intéressant. Donc ouais, j'ai bien raison. Les VDV ici et des troupes ici reportées pour prendre cette ville-là. Très très bonne idée. Il a magnifique déploiement. ATGM ici. Troupes d'infanterie qui vont sûrement traverser, renforcer là. Ah oui, j'ai oublié de préciser, il y a un avion anti-radar du côté de Trotou, un avion avec 30 bombes de 250 kg en largage. BTRA qui font un massacre avec leur autocollant de 30 mm. Des chevaux derrière, des tanks en soutien. Je me suis trompé, ce groupe-là était donc destiné à Mike, un petit peu dessin, un petit charme. Le charme, est... là je comprends mieux en fait pourquoi il y avait un charme, c'était pour la plaine en fait. Les tanks en ville vont se faire massacrer par tous les par tous les missiles qu'il va y avoir et RPG. Vous imaginez des tanks à combattre ici? Voilà, on se met sur un tank là, par exemple ce tank là. Les roquettes peuvent venir de ces bâtiments là, de ces bâtiments là, de ces bâtiments derrière si jamais ils traversent. D'ailleurs, il s'est déjà pris une roquette qui l'a endommagé. Encore une fois, Ajax qui fait la même erreur que dans toutes ses précédentes games, il envoie les tanks vers les villes. Avec serreur de la ville, les ATGM, des concours, ils sont en train de raser les véhicules. Il perd point de véhicule sans aucune réaction. Il essaie même pas de les mettre au milieu de la ville pour les couvrir. Bon, il a perdu des troupes quand même. Un commandant que... Deux commandants qui arrivent. Un pour Bravo et un pour Charlie. Le Shallow qui arrive sur le flanc qu'il détruit. Un bombardement très lourd au centre pour raser ce qu'il pouvait raser. Crotou qui prend largement l'initiative au milieu, il n'y a pas à réfléchir. Malgré qu'elle ait toujours plus de points d'income, il a perdu totalement le flanc droit, le centre est perdu, la gauche est quasiment perdue.
Le Cassiopée pourrait faire un peu de dégâts sur les hélicos. Avec un BTR. C'est comme un autocanon versus du calibre 14.5. Le Cassiopée va sûrement abattre tous les hélicos. Et de tir de lance-roquette totalement. Je vais pas dire inutile, mais. Actuellement, on va regarder la situation du point de vue d'Alex. Et vous comprendrez ma réaction. Il sort de lance-roquette. Or qu'à droite, il a rien du tout. Mais vraiment rien. Il contrôle à peine un quart de la map. Et encore contre un quart, c'est qu'il y a des troupes sans quart de la map, pour dire vrai. Hôtel, il a perdu. La ville centrale, il a perdu. Ici, il a quasiment perdu le point. Et d'ailleurs, il a toujours pas débarqué sa reconnaissance. Lima, il n'a aucune troupe dessus. Mike, aucune visuelle. Goff, il sait rien du tout. Donc, l'ennemi a totalement changé sur la droite. Et il n'a aucune protection de son commandant. Et d'ailleurs, il a une seule reconnaissance qui n'est toujours pas déployée. Donc, des troupes qui. Alex qui oublie beaucoup de troupes un peu partout. Qui oublie l'essentiel. La reconnaissance pourrait être utile, pourrait devenir un peu couvert le commandant. Mais c'est mort pour sa part. Il manque de contrôle. F flagrant. Et un bombardement. Voilà, il est rasé. Du bol que Hussar était dans le transporteur et que le transporteur s'est pas pris de bombe parce que sinon il était mort. Voilà, des BTR qui arrivent. Bon, l'infanterie qui a été repérée mais qui a été rapidement éliminée. Un autre commandant ici, le commandant là va se faire éliminer, il n'y a pas besoin de réfléchir. D'autres troupes de chasseurs qui sont arrivées, cependant. À découvert qu'on des troupes à couvert, voilà. Les Brennus qui sont arrivés en renfort qui devraient être repliés parce que là, contre des. Trop propé dans une ville, il va perdre. Voilà. BDV 90 est arrivé derrière. Chalou ici qui va tenter je sais pas quoi. Adessa qui est abattu encore une fois. C'est un no match de la part de Crotou. VDV 90 qui ont eu le temps de traverser quand on a repéré, détruit. Il a bombardé ici parce qu'on a dit de penser que le commandant était là. Il a dû envoyer l'avion avant. Cependant, il a trouvé le commandant et il a détruit avant. Quoi une ordre d'attaque? Il a dû voir, il a dû penser que le commandant était là. Notre roquette multiple qui tire sur Echo. Pif. Super étendard qui a dégommé un SU-120. Waouh! Qui a peut-être bien été abattu par Ibir aussi là derrière. Avion anti-radar qui est envoyé, qui a dégommé 2 ADCA. Bombardement ici qui dégomme une DCA, qui dégomme un lance-roquette multiple. Bon bah Delta, toute la Crotou a quasiment toute la map, il va gagner soit au point, soit il va dégommer l'un des commandants. Nettoyage de la ville. Super étendard abattu. Et victoire de Crotou, bien joué à lui en tout cas. Kenji ne pourra pas compter sur une triangulaire à cause de sa seule victoire. Et Crotou a eu 2 victoires. Alex a forcément gagné pour avoir un droit à une triangulaire et une dernière chance. Mais ce n'est pas le cas. Bravo aux deux joueurs. Crotou qui a un niveau au-dessus d'Alex. Le deck français était un mauvais choix. Pour deux raisons. Le premier lieu, c'est que un deck national, quand vous avez des decks beaucoup plus puissants, notamment quand vous pouvez faire un deck Eurocorp, c'est risqué, fortement risqué, ou un deck sans restrictions nationaux. Faire un deck blindé français, alors qu'on sait que les blindés français manquent sérieusement de blindage, c'est courageux, ou espérer que l'ennemi n'a pas de quoi jouer contre.
Je pense qu'Alex 66 avec son deck bleu s'est tiré lui-même une bague dans le pied en fait. C'est mon avis personnel. Ce deck-là était inadapté. Et pour un. Soit il veut vraiment se faire plaisir, puisqu'il a un choix et j'espère qu'il s'est bien amusé quand même dans ce tournoi, c'est quand même principal. Si c'était vraiment son deck pour du 1v1, il y a à retravailler, je pense, et à être amélioré. Un peu. Je pense que c'est le problème de que ce soit un deck national français qui pose problème. Autant un deck allemand, même national, pose un peu moins de problème. De plus que les Français ont d'excellents hélicos d'attaque, ils ont d'excellents véhicules de soutien, ils ont une infanterie quand même assez puissante, pas la meilleure, mais c'est quand même pas la pire non plus. Ils ont des tanks fragiles, quelques tanks lourds, mais globalement ça reste des tanks fragiles. Une artillerie assez puissante, des assez puissante, mais il n'y a pas assez joué sur la force de sa fondation. Le simple fait d'avoir pris un deck français blindé montre qu'il n'y a pas joué sur tous ses atouts forts. Mais bon, c'est pas grave. Quant à Crotou qui a perdu qu'une seule fois, ben bravo à lui, c'est le deuxième qualifié du groupe B. C'est ainsi que nous terminons le round 3 pour le groupe B. Nous en attaquons la prochaine fois au round C avec le premier match de ce round 3 qui opposera Crodil à Doumi. Alors j'attends beaucoup de ce match, je vais pas vous mentir. Non, c'est pas ce match-là, excusez-moi. C'est un match, c'est un peu plus tard que j'attends un autre match en fait. C'est dans le groupe D, c'est DM versus Master Aidan. Parce que Master Aidan, donc dernière, je vous rappelle, nous a sorti une stratégie qui était d'abandonner les deux tiers de la map à son adversaire et d'abandonner et d'oublier des unités. Je vous invite à regarder son replay de la dernière fois de Master Aidan. Mais je vous en reparlerai quand on arrivera à ce match justement. Parce que j'attends beaucoup de ce joueur-là, parce que vu ce que j'ai vu, ce dernier replay, ça m'a un peu déçu quand même. Donc quoi qu'il en soit, je vous dis à une prochaine fois, ça porte bien. Et à ciao tout le monde.